Laura? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous qui êtes connectés. Salut, nous, salut, j'espère que tu vas bien. Fais un petit live comme ça, rapide, qui ne va pas être long, sur l'élevage de la caille. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner, pensez à mettre votre like. Partagez le live tout autour de vous. On partage le live tout autour de vous. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas encore abonné. Je vais faire. Le live ne sera pas très long. Donc le direct ne sera pas du tout long. Salut Kabir, c'est vrai que tu vas bien. Salam, salam à toi. Donc pensez à mettre le like, votre like aussi lorsque vous vous connectez. Bonjour William. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais qu'on partage un peu sur l'élevage de la caille. Je voulais à la base faire une vidéo. Et je me suis dit, bon, je fais un live qui ne sera pas long. Donc on ne va pas être long. Bonjour, bonjour Christine, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Pendant qu'on attend que les autres se connectent aussi, pensez à mettre le like. Lorsque vous arrivez, pensez à mettre votre like. Donc, je disais que le direct ne va pas être long. 40 minutes, 45 minutes, grand max, 1 heure. Et ça va être... Ok, super. Si ça va bien, c'est le plus important, William. Donc, je voulais qu'on parle concernant l'élevage de la caille. J'ai dit ici. Sur la chaîne, voilà, ça va bien. Ok, super. Si tu vas bien, Christine, c'est bien. Vous savez que sur la chaîne, je vous ai dit, je fais la valorisation des produits du terroir, que ce soit sur le plan végétal, que ce soit sur le plan animal. Et je suis pour la pluralité des élevages. Donc, mon but ici est enfin de vous aiguiller un peu. D'essayer un peu d'élargir vos horizons, non? Pour que vous ayez plus de choix. Pour qu'on ne se cantonne pas seulement sur une seule source de protéines. Il y a comme ça une multitude de protéines. Je suis un peu là, je joue le rôle de la sentinelle, je vais jouer le rôle de l'éclaireur. Essayer comme ça d'ouvrir essayer d'ouvrir vos champs de possibilités, afin que ça puisse inspirer certains et certains de vous, et de vous lancer, de pouvoir aussi proposer une pluralité de protéines aux consommateurs, parce que voilà, on a besoin comme ça d'avoir une diversité au niveau de la protéine animale. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et même aussi, que pour celui ou celle qui va vouloir se lancer, c'est le but aussi, c'est de gagner. Il y a plusieurs types d'élevage aussi qui gagnent. Donc le problème ici, je vous le dis à chaque fois, c'est la connaissance. Des fois, c'est par faute d'information. Des fois, c'est parce que vous partez aussi vers la facilité, parce que voilà, lorsqu'on vient vous brandir un type d'élevage, vous allez tous là-dedans comme ça, voilà, tête et pieds liés, voilà, parce que vous voulez, on a tout mangé. Des fois aussi, sortez des sentiers battus, soyez curieux. On a dit un entrepreneur, tel que c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un d'imaginatif, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est-à-dire que d'aller là où les autres n'y vont pas. C'est quelqu'un qui sait prendre le risque aussi. Quelqu'un ou quelqu'une qui sait prendre le risque. Donc c'est ça entreprendre. Donc moi je vous ai dit ici, je ne suis pas dans le conformisme. Ici nous sommes dans le questionnement. Et ici je me dois de venir comme ça aussi apporter de la lumière à tous les types d'élevage, à tous les types de culture végétale, afin que chacun et chacune de vous puissiez faire votre choix. Et en aucun cas ici, je vous ai toujours répété aussi, je ne suis pas là pour vous brider. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je propose, après c'est à chacun et à chacune de vous, selon votre sensibilité, de vous lancer, de vous intéresser. Donc en aucun cas ici, je ne suis en train de vous dire que ah, voilà, je suis pour tel type d'élevage. Non, moi je suis pour la pluralité des élevages. Je vous encourage à faire, voilà, à diversifier. Mais je vous encourage aussi à faire votre choix. Je ne suis pas ici pour vous brider, pour vous influencer.
C'est pour ça que je vous dis aussi, je ne suis pas en train de vous vendre une formation. Je vais vous dire, hey, je fais l'élevage de caille, je fais la formation sur la caille, je vends la caille. Non. Si vous êtes intéressé, en ce moment, une fois que vous aurez choisi, si vous venez vers moi, je pourrais te dire que cette fois-ci, vous m'auriez mon information, vous m'auriez l'expertise. Mais une fois que vous aurez fait le choix, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et comme j'ai coutume à vous répéter, faites le choix doit être personnel. Moi, je vous propose, parce que c'est que beaucoup d'entre vous n'avez pas d'idée. Ce qui revient toujours à chaque fois, mais je n'ai pas d'idée dans quoi je vais me lancer. J'ai peur d'échouer. Non, je suis là, j'ai dit, je suis là pour vous aiguiller. Et on a dit la dernière fois que l'entrepreneur, c'est 80% de mindset, 80% d'état d'esprit. Parce que vous passez le temps à cogiter, à réfléchir. Voilà, merci Christine. Tu vois que je suis ici, je n'influence pas les choix. Je n'ai pas envie de vous mener. Parce que le problème, c'est quoi? Influencer le choix va m'amener à ce que j'appelle conflit d'intérêts. Parce que si j'avais une formation sur la caille, j'allais commencer à vous dire tout de suite que ah non, la caille, c'est le meilleur, tu prends la caille, ben, ok, j'ai une formation pour la caille. C'est ce que j'appelle conflit d'intérêts. Vous voyez que je ne vous fais pas de formation pour l'instant. Je préfère élargir comme ça le champ de possibilités. Chacun pourra, que selon sa sensibilité, choisir. Et en ce moment, oui, si tu viens me voir pour des informations encore plus poussées, je pourrais te dire oui, je te monnaie l'information parce que cette fois-ci, toi-même, tu as choisi ta spéculation. Ça peut être sur le domaine végétal comme sur le domaine animal. Tu as choisi à ton âme et conscience. Maintenant, tu vas aller plus loin. Oui, en ce moment, oui, je peux t'accompagner. Oui, en ce moment, je peux te monnayer mon expertise. Mais en aucun cas, je ne vais te forcer la main. Voilà, ton choix se concrétise. Parce que c'est ça, je dis, le choix doit se faire en âme et conscience. Et pousser d'une idéologie, pousser d'un pourquoi. Et d'un pourquoi fort. Parce que si votre pourquoi n'est que mal. Parce que, c'est-à-dire que voilà. Il y a un feeling avec moi. Si le pourquoi n'est que parce que voilà, je parle bien, si le pourquoi n'est que parce que c'est ma tête qui passe bien, vous voyez qu'à la première difficulté, vous allez lâcher l'affaire. Hello Angoué, salut Angoué, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien Angoué. Donc si le pourquoi n'est que ah, c'est parce que la tête de Thierry est très fort, non, sa tête passe bien, ah, je l'aime bien. Non. Il faut comprendre que c'est un business. Il faut comprendre que derrière, si c'est le domaine végétal que vous avez choisi, il y aura des contraintes sur le terrain. Donc, ça va demander que vous cravachiez, ça va demander que voilà, vous payez le prix. Ben, en ce moment, quand il va s'agir de payer le prix, ma tête ne va plus bien passer. Si c'est sur le domaine animal, c'est un environnement qu'il faut maîtriser. Il y a des contraintes, il y a des difficultés. Quand il va avoir des difficultés, ma tête, ça ne va pas suffire en ce moment. Donc, voilà, je préfère faire l'introduction comme ça pendant que les autres aussi se connaissent. Pendant ce temps aussi, pensez à liker les gars, pensez à mettre le like. Donc à la base, je voulais faire une vidéo, mais bon, je me suis dit, il faudrait que je fasse un. Bonjour, bonjour Nestor. Je me suis dit, il faudrait que je fasse un direct, même si ça va pas être long, pour qu'on puisse partager un peu ensemble. Qu'on puisse partager sur cet élevage qui est la caille. Voilà encore un élevage. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous avez un, ça vous parle un peu la caille. Voyez, voilà les types d'élevages où j'appelle des élevages où beaucoup ignorent et d'autres négligent. La caille, beaucoup ignorent et d'autres négligent. Et certaines personnes vont me dire, ah, mais Thierry, tu sais la caille? La caille, les gens ne mangent pas la caille. Hein. Thierry, les gens ne mangent pas la caille. Parce que j'entends ça aussi. Bon, pas tout le monde. Certaines personnes, certains illuminés arrivent quand des fois, ils disent, mais. Comme le canard, les gens ne mangent pas le canard, la caille, les gens ne mangent pas la caille. Non, j'ai juste envie de vous dire, les opportunités, il y en a, la demande, il y en a, mais le problème, c'est que beaucoup ne savent même pas. J'ai mangé tel que les cailles, tel que mes élevés, tel que je n'ai jamais. Voilà, tu vois, tu aimes bien consommer, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de personnes, beaucoup consomment, mais élevés ne savent pas, ne savent même pas comment élever. Une fois encore de plus, c'est la connaissance, non, Christine, c'est la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas commencer? Comment tu vas élever? C'est la connaissance. Beaucoup vont dire, ah non, la caille ne se consomme pas. La caille ne se consomme pas tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éleveurs.
La caille, les gens ne mangent pas la caille parce que beaucoup ne savent même pas. Quand tu as même dit caille, beaucoup ne sauront même pas c'est quoi la caille. Donc, vous voyez que c'est. Et quand on entend ça, pour un entre. Voilà. Voilà. C'est le manque de connaissances, Christine. Moi, quand j'entends ça, ou quand tout bon entrepreneur entend ça, doit seulement se dire que voilà l'opportunité. Quand tu vas dans d'autres types d'élevage, si tu dis poulet, tout le monde entend, tu vois que c'est saturé. Mais quand tu dis caille, et que très peu de personnes. Salut, salut, Maï. Hein, c'est bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, quand tu dis caille et que beaucoup ne maîtrisent pas, ah, tu dois te dire, voilà une opportunité, voilà un créneau vers lequel tu dois aller creuser afin de pouvoir faire découvrir les personnes. Parce que c'est ça aussi, être pionnier. N'allez pas vers les circuits déjà où voilà, le boulevard est tracé. Quand vous êtes sur les circuits où le boulevard est tracé, où il y a trop de monde, ça devient saturé et vous ne gagnez plus. Vous ne gagnez pas. Dans la caille, voilà, t'es qu'un type d'oiseau aussi où la chair est très bonne. Les œufs aussi, t'es que sont magnifiques. J'ai coutume ici à vous répéter sur la chaîne que vous allez vers certains types d'élevage aussi par rapport tout simplement à la rapidité. Je prends tous les exemples palpants, t'es que du poulet, de chair. 45 jours, c'est 45 jours qui intéressent beaucoup de personnes. Mais moi, je fais encore mieux en vous disant que la caille sort à 30 jours. Donc, pour les personnes qui sont là pour la rentabilité rapide, voilà un oiseau où en 30 jours, tu peux déjà le mettre sur le marché. En 30 jours, c'est déjà, c'est-à-dire que prêt à être vendu. Donc, pour les personnes qui sont dans le gain rapide, qui est le poulet, on dit rentabilité, c'est-à-dire quoi là? En 45 jours, tu sors, mais la caille, en 30 jours, tu sors ta caille. Bonjour, bonjour, Amadou. Et tout à fait, Christine, les œufs de caille aussi sont hyper prisés. Donc, tu peux, dans ce business-là, et c'est un type d'élevage aussi, avant qu'on entre dans la partie technique, on ne va même pas tout présenter dans la partie technique, parce que je dis encore, ça demande la formation. Ça va demander pour la personne qui est intéressée de se former, de s'entourer, c'est-à-dire que des experts. Bonjour Angèle, de s'entourer des experts. C'est une formation aujourd'hui, l'élevage de cristal, ça ne te demande pas d'aller faire, de sortir technicien en agriculture ou technicien en élevage ou technicien supérieur en élevage. Tu vas faire une formation auprès des éleveurs de caille. Tu sors de là avec une connaissance. En ce moment, toi, tu peux prendre un technicien. Toi qui es de la diaspora, et si c'est encore la stratégie, tu peux prendre un technicien. Super, super. C'est ça le but. Le but est ici, enfin, de réveiller le génie en chacun de vous. Hein. Je sais que le truc, c'est. Des fois, on est là, il y a cette envie, mais comme je l'ai dit, c'est le mental, non? C'est 80% de mindset. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça qui peut venir vous bousculer, tel que quand je dis bousculer dans le bon sens du terme, ça ne peut que voilà, sortir le meilleur de vous, hein, le meilleur qui est en vous. Hein. Je vous ai dit que c'est 80% de mental, la réussite, peu importe ce que vous entendez par réussite, c'est 80%. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui vient booster, mais ça va demander aussi qu'en face, qu'il y ait des personnes qui ont un très bon mindset. Parce que pour d'autres, ça ne demande pas beaucoup d'espace à moi. C'est voilà, vers là que je vais arriver. C'est vers là que je vais arriver. La caille ne demande pas beaucoup d'espace. Un peu comme le lapin. On a fait des vidéos ici sur le lapin. Tout comme le lapin, ça ne demande pas énormément d'espace. Et ce n'est pas salissant. C'est un truc. Peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez élever votre caille. Je peux même dire que c'est un type d'élevage, c'est un élevage même de salon. La caille, c'est un élevage de salon. Donc, ça veut dire que c'est élevé en cage. Vous pouvez superposer les cages un peu comme les clapiers des lapins. Donc, ça ne va pas te demander d'aller construire un grand bâtiment comme dans le poulet, par exemple. Donc, avec la caille, c'est un peu comme l'élevage de lapins. Donc,
Les caches de lapin, c'est les clapiers. Mais pour la caisse, vous avez fait, tu peux faire des caches. Donc, même dans 10 mètres carrés, dans 20 mètres carrés, tu fais tes trucs, tu fais tes caches superposées. Et ce n'est pas salissant. Ce n'est pas du tout salissant. Au bout de 30 jours, tu sors ta caille. Tu peux te spécialiser maintenant, peut-être, pour la vente des œufs. Hein? Si c'est la vente des œufs, tu sors tes œufs. Les œufs sont hyper demandés sur le marché, hyper prisés sur le marché. Et les œufs, sur le plan de la santé, sur le plan de la diététique, les diététiciens conseillent même de consommer les œufs de caille parce que c'est des œufs qui sont thérapeutiques, c'est des œufs qui sont des alicaments. Donc c'est un aliment et c'est un médicament en même temps. Donc pour toutes les personnes qui suivent certains régimes, les œufs de caille sont vraiment tels que préconisés. Donc, voyez, voilà un marché, tu vois, c'est voilà un marché comme ça qui est énorme, un marché qui est immense. Et la caille sortie, tu as dit que voilà, au bout de 30 jours, une caille, tu peux la vendre à 1000 francs. Tu peux vendre une caille à 1000 francs. Et ici, la caille aussi, vous voyez que la stratégie que je partage avec vous à chaque fois, c'est qu'on peut commencer petit. On a commencé en disant que non, si tu me dis, mais Thierry, je n'ai pas d'espace, je ne peux pas construire de bâtiment. Je dis non, 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 non. Tu n'as pas besoin de bâtiment. On a dit ici, tu n'as pas besoin de bâtiment qui coûte les 2 000, les 5 millions, les 7 millions, les 1 million à construire. Non, non. Tu me dis, Thierry, je n'ai pas assez de capital. Tu dis, tu peux commencer. La caisse, c'est 1 000 francs. On a déjà partagé plusieurs stratégies ici. Comment tu peux débuter? Même avec. Je voudrais partager sur le canard, 3 canards. Je voudrais partager sur les poulets locaux. Avec 4 poules et un coq. Même avec la caille ici, on a dit une caille c'est 1000 francs. Donc tu vois si je veux même être vraiment très très serré, je dis même avec 10 000 francs, pour celui qui a un budget hyper serré, avec 10 000 francs même tu peux commencer ton élevage de caille. Avec 10 000 francs, on a dit une caille c'est 1000 francs. Donc tu imagines si tu vas prendre 3 cailles, même 4 cailles femelles. Et tu prends une caille mâle, tu vois que tu commences ton élevage. Mais ici, toi qui as les moyens, toi qui es de la diaspora, tu peux commencer ton élevage aussi de façon intensive, de caille. Donc, c'est un truc qui ne. Bonjour, 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 tante, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà un type d'élevage. Où il n'y a pas de barrière d'entrée, il n'y a pas de ticket d'entrée. Voilà un type d'élevage qui n'est pas là à dire, ah, ben, ton compte en banque est combien? Ah non, tu es pauvre, tu ne peux pas faire. C'est un type d'élevage qui est, voilà, qui laisse la porte ouverte à tout le monde. Que tu sois jeune, vieux, gros, mince, long, court, pauvre, riche, peu importe ton rang social. Tu peux commencer ton élevage de caille. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de types d'élevage. Si on reste sur le cas de la volaille, tu ne peux pas. Donc la caille ici offre les possibilités. Moi, je suis là. En aucun cas, je ne suis là pour vous influencer. Mais comme j'ai commencé au départ, je suis là pour vous aiguiller, pour vous ouvrir les horizons. Être aussi négatif qu'un couple de caille. Ah, voilà, un couple de cailles, voilà les possibilités qu'on vous offre. Couple 6 000. Je dis que le problème, cher visionnaire, beaucoup se lancent par mimétisme. Beaucoup se lancent peu importe, hein, que ce soit l'élevage, que ce soit le végétal, que ce soit le business, puis le business traditionnel. Beaucoup se lancent par mimétisme. Mais je vous ai dit ici, la chaîne se doit une chaîne de questionnement. Soyez dans le questionnement. Vous voyez que voilà les opportunités. Oh, c'était que l'élevage, c'est bien, mais il faut passer. Je suis d'accord avec toi, Angoué. Nous sommes encore tels que dans la phase, machin, la phase de l'élevage, non? Bien sûr que le sacerdoce de la maison, c'est encore d'ajouter la plus-value en transformant. Et là, en ce moment, en gros, tu peux nous dire un peu comme dans la volette et la transformation. Donc, j'avais commencé en disant que la personne qui veut vendre les œufs peut vendre les œufs. Maintenant, la personne qui veut plutôt se spécialiser sur
l'élevage de la chair. En ce moment, tu passes à la transformation. Donc, tu peux faire ta caille, tu vends la caille vivante. Il y a quelqu'un qui nous a avancé en disant qu'un couple de caille, c'est dans les 6 000 francs. Tu peux aussi dire maintenant que tu passes à la phase de transformation. On peut créer des restaurants uniquement tels que de... Je suis d'accord avec toi, Amadou. Tu vois, voilà les idées. Donc, tu te spécialises, tu crées ton restaurant uniquement la caille fumée. Magnifique, Christine. Comme Amadou dit, tu peux créer ton restaurant. Et quand on dit restaurant, il ne faut pas penser gros truc. Tu peux faire, c'est-à-dire que là, tu fais des stands où là-dessus, tu ne sors que ta caille. La caille braisée, la caille machin, tu déclines en plusieurs trucs, mais c'est la caille, quoi. Le pâté de caille, magnifique, Christine. Tu fais ton pâté de caille. Donc, à chaque fois où on dit ça, vous conviendrez avec moi que ça va demander de faire la formation. Ça va demander de faire une formation. Je vais vous suivre quand tu as... Super, super, Authentisop. Courage à toi, force à toi, Authentisop. Le magret de caille, magnifique, Christine. Donc, à chaque fois, Angoué, c'est un ingénieur en tout ce qui est transformation alimentaire. Donc, vous voyez que ça, c'est une spécialisation, c'est un métier. Donc, il faudrait vous faire former par des personnes comme Angoué. Parce que c'est un métier. Hein. Angoué, il a été à l'école. Hein. Là, il est sorti, il a obtenu récemment tous ses diplômes-là. Donc, c'est un métier. Et à ne pas prendre à la légère. Super, autant tu sois courage à toi. Confit de caille, tu vois. Mais est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que nous sommes en train de citer? Faire des granulés, tels que pour la piscicultura, tu as tels que des eaux, des plumes, du sang. Mais vous voyez, magnifique, Angoué. Est-ce que vous voyez autant de produits dérivés qu'on cite? À chaque fois qu'on cite les produits dérivés, dites-vous que c'est de l'argent qui s'ajoute dans votre cagnotte. Hein? Christine a commencé à énumérer là, avec voilà, magret de canard, pâté de canard, magret de caille, pâté de caille, caille fumée. Angoué nous rajoute encore les granulés pour l'alimentation. Vous vous rendez compte encore l'alimentation des animaux? C'est autant de produits dérivés. Hein. Et à chaque fois que tu cites ça, tu te dis que voilà, c'est des sources de revenus que tu diversifies. Et c'est pour ça qu'Angoué a bien fait en disant qu'il faut passer à la transformation. Donc tu vois que lorsque tu passes à la transformation, voilà autant de produits dérivés que tu sors comparativement à quelqu'un qui vend uniquement sa caille. On est tous contents. Super, tel que Yves. Bonjour à toi, Yves. Donc, comparativement à toi qui vends ta caille comme ça, machin, tu vois que celui qui passe à la phase de transformation, voilà autant de produits dérivés que la personne délivre. Et plus elle délivre les produits dérivés, plus elle gagne de l'argent. C'est ça la stratégie. Nous ne sommes pas bons au niveau des compteurs de likes, là, les amis. Nous ne sommes pas très bons au niveau des compteurs de likes. Au niveau des compteurs, nous ne sommes pas bons, là. Faites un effort, là, les gars. Mettez les pouces. Un KF, mais Amadou, toi, tu es un visionnaire. Mais c'est ça, un KFC de caille. C'est pour ça que de faire des stands, ben en ce moment, oui, c'est ça la vision il faut avoir cette vision-là. Mais quelqu'un va te dire, Amadou, ouais, bah, on ne peut pas être au niveau de KFC là maintenant. Mais KFC a commencé petit, j'ai dit commencer en posant déjà certains stands où on peut avoir des lieux de braise de caille, les lieux de braise de caille, les lieux où on fait des rôtis. Tu commences par des stands, on commence comme ça, mais on rêve grand. Après, tu peux finir, c'est-à-dire que par positionner un KFC, que le nom KFC ne fait pas les gens. KFC aussi a commencé modestement. KFC a commencé modestement, mais le problème, c'est d'avoir ça en tête, d'avoir l'objectif en tête. D'avoir cet objectif en tête. Donc, voilà, la caille, on a cité comme ça autant de trucs, autant de produits dérivés. Donc, pensez toujours passer à la transformation. Pensez vous former. Je répète encore ici à chaque fois, ne pas se lancer uniquement par la part de profit ou par la part des gains. Oui, on fait le business pour gagner, mais il faut faire un business qu'on maîtrise.
faut faire un business sur lequel on a analysé tous les contours. Il faut faire un business sur lequel on a fait l'étude, l'étude marché. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, en termes de demande de protéines animales, la demande est énorme. Nous ne sommes même pas en train de satisfaire les besoins. Donc, sur ce côté-là, ça ne se discute pas. Sur le côté, moi je vous dis encore, sur le côté de la demande en protéines, ça ne se discute pas. Nous ne sommes même pas en train de satisfaire les besoins tels qu'en termes de protéines animales. Donc, il y a un marché. C'est très intéressant que des termes autorisés qui sont... Super, je suis d'accord avec toi, Téric. Tu vois, voilà autant de stratégies. Des stands motorisés, ça fait en sorte que tu peux toucher autant de monde. Donc à chaque fois, tu vas te positionner, par exemple, allez, si c'est dans des coins où il y a des industries, où il y a des sociétés, à midi, pam, tu vas te positionner. Tu sais que c'est là-bas qu'il y a le passage. Tu délivres. Si c'est dans les coins où il y a des coins universitaires, tu vas te positionner auprès des universités, tu délivres. Parce que là-bas, les universités ont faim. Hein? Il y a du passage, tu délivres. Donc, avec ton truc motorisé, je suis d'accord avec toi, ça te permet d'être mobile et de te positionner à chaque fois sur des lieux stratégiques. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que l'emplacement compte beaucoup. Que l'emplacement est très, 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 très... important. Donc, avec ton truc motorisé, ça te permet de bouger, de ne pas être statique, de pouvoir toucher, je vais dire tout le monde. Oui, je suis d'accord avec toi sur un stand mobile. Moi, je me positionne dans les cas de quartier avec l'outil technique que j'ai. Voilà. Tu vois, la stratégie aussi, c'est ça. Et la stratégie, quand c'est comme ça aussi, de scaler, non? Parce que quand on a dit KFC, la force de KFC, c'est quoi? La force de KFC, c'est que KFC a su. Je suis d'accord avec toi, il faut mettre les likes. Je suis d'accord avec toi, Angèle. La force de KFC, c'est quoi? KFC a réussi son business parce qu'il a su scaler son business. Tu vois qu'un business qui a commencé aux États-Unis, il a pu conquérir que les États-Unis en mettant les boutiques partout. Et là, il est partout dans le monde aujourd'hui. On a KFC pratiquement partout au monde. Dans les points, partout, il positionne ses boutiques. Donc la stratégie, c'est que lorsque tu as ton premier kiosque, tu puisses comme ça positionner les kiosques. Donc si tu as fait le choix des trucs mobiles, tu peux cette fois-ci faire des trucs mobiles où tu engages les gens, tu formes des personnes, le personnel, tu les positionnes. Avec des trucs, on a aujourd'hui les tricycles, hein? les tricycles, les trois roues. Tu fais ton truc bien. Tu aménages bien. Hein? Aujourd'hui avec la technique, on peut le faire. Les chaudronniers peuvent t'aménager un truc bien avec ton tricycle. Tu aménages très bien. Pour celui qui n'a pas encore assez de moyens, pour la personne qui a des moyens, tu peux acheter une fourgonnette que tu aménages. Mais je dis, on commence d'abord petit. On peut commencer d'abord avec le tricycle. On aménage bien ton tricycle, on adapte ça bien. Tu donnes ça, tu peux commencer avec trois personnes. Trois personnes qui sont là à sillonner la ville avec le tricycle à chaque lieu stratégique vont se positionner et délivrent. Tu peux aussi avoir un truc fixe, un lieu où, mythique où on sait que voilà, c'est ici qu'on te trouve. Parce que c'est bien d'avoir aussi des trucs mobiles, mais penser aussi, faudrait penser aussi à avoir un lieu fixe où tu bâtis ta renommée, où c'est le lieu de référence, où les gens pourront même quitter partout pour venir consommer la spécialité, ta spécialité de caille que tu seras en train de délivrer. Donc il faudrait que quand on donne ton adresse, on te retrouve, que les gens sortent d'un peu partout pour venir à cette adresse-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on s'est aussi dit, quand vous faites le business, pensez à faire des business qui durent dans le temps. Pensez à faire des business où vous êtes là à bâtir une marque. Vous êtes là à bâtir, à créer un nom. Vous voyez? Donc, il faudrait aussi penser à avoir un lieu fixe comme ça, où là-dessus, vous travaillez sur votre image. Donc, ça va demander que tu fasses la formation aussi.
comptabilité, hein, le marketing. Donc, ce que je suis en train de dire, quand je parle d'image, je parle ici de branding. Ça va demander de faire beaucoup de branding. Ça va demander de communiquer, d'être dans la communication. Parce que quand tu veux faire parler ta marque, c'est d'être dans la communication. De payer peut-être des influenceurs, de payer la publicité. Parce que c'est comme ça. Il faut avoir ça dans la tête. Quand l'argent entre, il faut réinjecter dans le business. Donc, là, on parle de gestion financière. Réinjecter dans le business afin de pouvoir faire grandir le business. Parce que c'est ça. C'est là où beaucoup faute, c'est là où beaucoup pêche. Quand l'argent commence à entrer, on commence à faire plutôt autre chose. On commence à être dans le m'as-tu vu. On commence à jouer les super patrons. On ne délivre plus les services à temps. Voilà. C'est là où est la grosse contrainte. Parce que entreprendre aussi, il faut comprendre que lorsqu'on entreprend, on est au service des personnes, on est au service des clients. C'est le client qui est roi. L'argent ne va pas commencer à entrer, tu commences à dire, ah, dis donc, il me fatigue. Hein. Donc, j'ai déjà pris ma part, donc là, c'est bon. Non, le client est roi. Quand tu commences un truc, on s'est dit, on se doit de faire des business qui durent dans le temps, des business intergénérationnels. Donc, c'est ce mindset-là qu'il faudrait avoir. Vous voyez que moi, à chaque fois que je vous parle d'avoir tous les mindsets, pas des personnes qui viennent uniquement par la part de gain, mais des personnes qui sont là à bâtir des business qui durent dans le temps. Donc, quand on veut bâtir aussi un business qui dure dans le temps, on se doit d'avoir une idéologie. Voilà, tu es d'accord avec moi, Maï? Donc, c'est le mindset que vous devez avoir. Moi, à chaque fois, je vais vous répéter ça. Parce que si on veut aussi, si on veut être costaud, si on veut peser dans le game, on se doit, c'est-à-dire que d'avoir une idéologie, de penser grand, de faire des business qui durent dans le temps. Sinon, vous serez toujours en train de citer les autres communautés. On va vous donner des recettes. Et les autres communautés, voilà les secrets. Et les autres communautés, voilà comment ils font. Ben, ils ne font pas la magie. Salut Ibrahim, salut. Les autres ne font pas la magie. Les autres, comme je dis, fonctionne avec stratégie. Quand l'argent entre, il y a de nouvelles sensations, ça prend parfois quelques. Je suis d'accord avec toi qu'il faut le mindset angoué. Quand l'argent entre, les besoins sont là, mais si tu n'as pas un mindset costaud, ben ça sort comme ça entre. Hein. Parce que les besoins sont sous là, la tentation est là. Les belles choses sont là, ça brille, ça dit seulement que. Ou mange-moi, ou prends-moi. Les besoins sont là. Donc, en ce moment, c'est le mindset. En ce moment, si tu n'as pas un mindset costaud, en ce moment, si tu ne t'es pas visualisé, tu ne sais pas la personne que tu veux devenir, tu ne sais pas dans 5 ans, dans 10 ans, ah, il ne faut pas décoller. Ça dit mange-moi, ou prends-moi. Tu cours seulement. J'ai commencé en disant que voilà le marketing. Et je dis qu'il faut, il faut de la persévérance. J'ai commencé en disant le branding, non? Il y a des spécialistes qui sont là, c'est leur travail. Ils font le branding, ils racontent des belles histoires, des beaux packaging. Quand tu entres, tu vois comment la fait sentir comme ça. Ça fait seulement que, hey, mange-moi. Ou prends-moi. Tu fais woum. Tu remplis, tu viens charger la maison. On se retrouve des fois les maisons encombrées. Tu as la même chose au moins 5. Tu as la même chose au moins 6. Je te dis, Mia, tu as la même chose entassée là comme ça. Parce que on consomme. Tu veux faire l'inventaire, tu dis, ouais, je n'arrive même plus à mettre les pieds. Parce que la maison est encombrée. Mais si tu n'as pas fait ce travail sur toi, que, hey, voilà la personne que j'aimerais devenir dans ma chaîne dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Donc, comme j'ai coutume à vous répéter, les distractions, la consommation, bête là, non, je ne suis pas dedans. J'ai ma mission, j'ai mon objectif à atteindre. Je ne pense qu'à ça, je suis mon objectif, je suis ma destinée. C'est comme ça. Et ça passe par le mindset.
Donc, ça passe par le moyen sédent. C'est, je dis, la caille à corps, tu vois, c'est de se fixer. Tu vois, tu commences, peu importe ton budget là maintenant, je dis, celui qui a un budget serré, il commence. La personne, vous qui êtes dans la diaspora, si vous pouvez vous lancer là-dedans, vous dites, voilà un marché. Vous vous formez, vous vous lancez. Et quand on se lance maintenant, on se dit, on est là aussi pour venir impacter. Donc, faire les choses bien. Pouvoir sortir, c'est-à-dire que tous les mois, parce que c'est 30 jours, pouvoir sortir tous les mois des quantités de cailles. Et on a parlé aussi de la qualité de l'élevage. Pensez aussi à élever selon les règles de l'art. Voilà. On souhaitait que c'était que c'est la première quelquefois. Ok, bonsoir, bonsoir, Joanne. Ou bonjour, enfin, depuis que tu nous vois, nous c'est bonjour ici, peut-être chez toi c'est le soir. Ouais. Donc, pensez aussi, on a dit aussi la qualité de la viande, on a dit la caille n'est pas compliquée. Hein. Vous voyez qu'en 30 jours, vous n'avez pas besoin de les shooter d'autant de médicaments. En fait, ça sort en 30 jours, la promiscuité n'est pas énorme. Donc, pensez aussi au bien-être de ces animaux-là. Et pensez aussi au bien-être des personnes qui vont consommer. Tout ça aussi, ça rentre encore, ça ajoute de la plus-value à votre qualité d'élevage parce que c'est ça aussi le gage de qualité. Parce que les personnes sont prêtes à consommer, à mettre de l'argent à partir du moment où elles mangent. Ça peut être de végétal ou ça peut être de machin, de trucs animaux, des trucs de qualité. Après, c'est à vous de bien communiquer. Je dis, c'est la communication, de bien communiquer. De dire, voilà le type d'élevage, voilà comment est-ce que vous élevez tel que vos animaux, selon les règles de l'art, sans produits machin. Les animaux sont bien élevés dans des conditions telles qu'idoine. Donc, vous mangez une viande, c'est une viande de qualité. Angoué est là sur le contrôle, machin, contrôle qualité. Des personnes comme Angoué, vous les payez pour la formation. Payez une formation. Viennent là, font des analyses, analysent vos produits. Vous sortez des produits terricoles, vous sortez une fiche technique contenant toutes les caractéristiques, toutes les qualités de la viande. Et même votre façon de travailler, c'est ça qui fait le gage de qualité aussi. J'ai un ami qui fait quelques caractères. Ah voilà, au Mali, Ibrahim, voilà. Il y a un ami qui fait la caille au Mali. Il y a de la demande, il y a de la demande, Ibrahim. Je suis d'accord avec toi qu'il y a de la demande. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Tu verras encore quelques rares personnes qui vont dire que mais la caille, certains vont me dire que la caille, c'est quoi? Pendant qu'on parle, beaucoup ne savent pas aussi. Hein. Donc, c'est voilà des opportunités comme ça où. Ah, ils vendent des cages aussi. Ah, ben voilà. Ah, Ibrahim, voilà, tu vois, tu viens encore d'ajouter encore une option. Donc, tu peux même faire ton élevage aussi et derrière aussi faire des machins, vendre les cages. Donc, si tu es là, tu fais ton élevage déjà de façon professionnelle depuis certaines années, tu peux aussi ajouter une autre corde à ton arc, vendre, fabriquer les cages. Donc, ça fait que tu vas former les personnes, tu pourras former les personnes qui viendront à ta ferme. En même temps, tu les vends les oiseaux et tu les vends les cages aussi. Tu les vends les cages en même temps. Non, ça veut dire que tu donnes tout le packaging. Le gars qui vient chez toi, tu lui donnes déjà le truc clé à main. La formation, les oiseaux et la cage en même temps. La personne ne va pas dire, ouais, mais maintenant, je vais faire comment la cage? Non, voilà la cage. Tiens, pas d'excuse. Donc, Ibrahim, super, tu viens encore d'ajouter encore une option, tu vois, la cage. Donc, même dans ton truc aussi, dans ton truc d'élevage, tu peux inclure aussi que tu vends les cages. Donc, quand le gars prend les oiseaux direct, bon, tu lui vends ça à la cage aussi. C'est une très belle stratégie. Une très, très belle stratégie. Donc, moi, le but ici, c'est de jouer les éclaireurs. Je vous dis encore, ne soyons pas cantonnés seulement à un seul type d'élevage. Je vous demande aussi d'être curieux et curieuse, même pour vos besoins de consommation. Vous ne devez pas vous imposer seulement un seul type de protéines à manger. La fiente aussi se vend. Oh, super Ibrahim, la fiente.
Voilà encore une terre, la fiente aussi se vend. On a parlé de plumes, on nous a parlé des plumes, les os, le sang, dont la fiente aussi, superbe engrais. La fiente, c'est de l'engrais biologique. C'est un engrais, c'est-à-dire qu'organique. Donc c'est... Vous voyez qu'on a déjà listé comme ça, si on fait l'inventaire des trucs, nous sommes à plus de 10 produits. Hein. Rien qu'avec la caille, nous sommes à plus de 10 produits dérivés. Et c'est comme ça qu'il faut penser. On a fait des directs ici, on a dit, ce n'est qu'en passant par la phase de transformation qu'on peut gagner encore plus. La caille, quand tu la sors, quand tu la sors, tu peux la vendre sur pied, 1000 francs. Mais tu vois que si tu commences déjà à transformer, tu vois les différents, sur une caille, tu vois les différents, les différents produits dérivés qu'on sort. On n'a pas eu de la fiente, on n'a pas eu des plumes, des os, du sang. On a parlé des pâtés, des pâtés de caille, magret de caille, caille fumée, caille rôtie. C'est autant de choses. Et à chaque fois, on a parlé des cages à vendre, la fiente à vendre. Tu vois que quand tu commences à passer la transformation, il y a tellement de produits qui sortent. Et plus les produits sortent, plus ça te multiplie les chances de gagner. Plus tu impactes les gens, c'est comme ça que tu gagnes aussi. Parce qu'on a dit, en passant à la phase de transformation, on ajoute de la plus-value. En ajoutant de la plus-value, tu gagnes encore plus. Tu vois que déjà ta caille que tu vends à 1000 francs, si tu commences maintenant à sectionner, à sortir les produits dérivés, la caille que tu vends à 1000 francs, par rapport à certains produits dérivés, tu peux sur une caille sortir même peut-être 6000 francs. Tu pourras sortir sur une caille par rapport aux différents produits dérivés qu'on vient de sortir là, au moins 6000 francs. Donc tu vois qu'en transformant, tu gagnes encore plus. Quand je dis même 6000 francs, c'est le minimum. Donc la belle stratégie serait de passer à la phase de transformation. Voilà. Voilà ce que je voulais. J'ai dit la vidéo, on va pas la faire long. On ne va pas la faire très longue là. Donc, 45 minutes, 1 heure grand max. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Je voulais faire une vidéo normalement, mais je me suis dit non. Je vais faire un direct afin de pouvoir aussi échanger avec vous, pouvoir aussi répondre peut-être à certaines de vos questions, que ce soit comme ça un échange interactif. Donc, je suis vraiment ravi d'être avec le panel. On a échangé ensemble. Donc, beaucoup d'éléments sont sortis. Le but ici, à chaque fois, je vous dis aussi, je ne suis pas là pour vous brider. Je suis là pour ouvrir le champ des possibilités. Je suis là pour vous dire, on se doit de valoriser tel que nos produits. Vous savez que le but de la chaîne ici, c'est ça. Hein? Je suis là pour valoriser et vulgariser les produits du tiroir. En aucun cas, je ne suis cantonné sur un seul produit. Non. Ma mission est ici de valoriser et de vulgariser toutes les cultures et tous les types de... Voilà. Super, Amadou. Donc, le but ici, c'est ça. Hein. Je ne prêche pas pour une chapelle. Je ne suis pas là à faire l'apologie d'un type d'élevage. Je suis là pour vous ouvrir le champ des horizons. Que certains qui sont peut-être sur un type d'élevage, quand je parle, pensent peut-être que je suis en train de créer de l'ombre sur leur type d'élevage. Non. Mon but est ici de valoriser tout type d'élevage. Et surtout, je dis encore, je prêche tel que pour ma chapelle, les produits du terroir. Donc, vous allez m'excuser si je ne fais pas. Vous allez m'excuser si j'insiste beaucoup plus sur nos produits du terroir. Les œufs de caille, t'es comme beaucoup de vertus. Bah, super, on a parlé des œufs de caille. On a dit que les œufs de caille ont beaucoup de vertus. Donc, je dis encore que ceux, peut-être, que ça dérange. Moi, je dis, moi, je suis sur ma ligne directive. Hein. On parle ici des produits du terroir. Je ne peux que valoriser nos produits du terroir. En aucun cas, je ne vais faire l'apologie ou la campagne d'un type d'élevage qui vient d'ailleurs. Vous voyez qu'on a pas mal de travail comme ça déjà à faire, afin de pouvoir aussi redorer le blason de nos différentes cultures, de nos différentes races animales. C'est à nous de faire ce travail. Si on est là plutôt à courir vers la facilité, aller rechercher ailleurs, ben c'est comme ça qu'on va perdre. Et nos produits, c'est-à-dire que voilà,
nos végétaux, parce qu'on parle ici des semences. Hein. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi perdre nos races animales. Parce que quand on viendra vous ramener aussi des trucs hybrides, c'est comme ça qu'on va les perdre. Donc c'est à nous de faire ce travail. Oui, je prends ce rôle ingrat, et je le fais. À vous aussi de vous dire, parce que je sais aussi que beaucoup d'entre vous, par faute d'information, vous n'avez pas l'information. Vous avez plusieurs corps de métier, vous n'avez pas cette information. Je vous invite aussi à faire des efforts de chercher l'information. Je vous invite aussi à faire l'effort aussi des fois d'accepter de payer des prix. Ne devez pas courir toujours sur tout ce qui brille. Je vous ai dit, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Beaucoup qui sont là, oui, si, qui sont là peut-être à vous vendre des formations, tout simplement, parce qu'elles ont mis une formation, on va vous dire que c'est ce type. On ne peut pas tous faire la même chose. Même la nature est contre. On se doit de diversifier. Super, merci à toi. Donc, pensez pas. Ok, super, Christine. Tu viens pour la belle conclusion. Je sais qu'on ne va pas faire long. On va faire 45 minutes, là, une grande masse. On ne va pas faire long. Donc, pensez à diversifier, que ce soit sur les végétaux, que ce soit sur le côté voilà, animal, pensez à diversifier. Et posez-vous toujours la question. Formez-vous, j'insiste toujours, formez-vous. N'allez pas seulement par rapport à la part de vie. N'allez pas passer, ah, la tête de Thierry parle bien, ah, la tête de Thierry passe bien, non. Ah non, parce que Thierry m'a dit non. Allez pour des réelles motivations. Faites vos propres recherches. Regardez les besoins sur le marché. Regardez si c'est un environnement qui vous convient. Parce que moi, je dis ici, j'insiste, allez sur des business qui durent dans le temps. Est-ce que vous voyez votre quatrième génération, même votre dixième génération en train de faire ce business? Ah non, si vous n'êtes que motivé par la part des gains, vous ne serez même pas là peut-être pour 5 ans. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que les contraintes, il y en aura. Et passez à l'action. Je suis d'accord avec toi, Amadou. Le plus important, c'est de passer à l'action. On a dit que c'est 80% de mental, 80% de moulinette. Je cherche une formation sur la production. Voilà. Tu cherches une formation sur la production végétale. Sur quel type de production? Tu vois, Amadou, Ibrahim, tu n'es pas très clair. Sois déjà clair. Tu devais, au jour d'aujourd'hui, être clair et concis. Quand tu dis production végétale, Dieu sait que. Il y a des tonnes et des tonnes de spéculation. Sur quoi exactement? Exactement, tu dois être précis. Tu dois être précis. Quand tu dis sur production végétale, tu veux tout faire. Tu dois être précis et concis. Et tu sais, dans ta tête, tu dois savoir ce que tu veux faire. Quand tu dis production végétale, tu joues derrière l'auto, tu veux dire que je commence à faire le choix à ta place. Tu dois déjà, production végétale, je vais faire tel type de spéculation. Ça doit être déjà clair dans ta tête. C'est de ça que je parle. Il ne faut pas seulement me dire que la production végétale, non. Production végétale, après, c'est moi qui vais choisir à ta place, non. Arbre fruitier, c'est encore vague, Ibrahim. C'est encore vague. Arbre fruitier, il y a énormément de spéculation. Tu veux faire dans les agrumes, il y a énormément d'agrumes. Tu veux faire dans les fruits, il y a énormément d'arbres fruitiers. Tu vois, c'est encore vague. Ibrahim, va bien, réfléchis bien. Tu veux faire dans le végétal, oui, arbre fruitier. Arbre fruitier, c'est une famille. Quand tu arbre fruitier, c'est une famille, c'est quoi la spéculation? C'est quoi comme arbre fruitier? Il faut la précision. Tu vois, quand tu dis arbre fruitier, c'est vague. Tu vois, c'est vague. Arbre fruitier, il y a une multitude d'arbres fruitiers, Ibrahim. Voilà, quand on dit voilà, culture d'avocat, voilà, là on est précis. Là, voilà quelqu'un qui est précis, quand il dit culture d'avocat, il sait déjà ce qu'il veut faire. Agrumes encore, c'est vague, Ibrahim. Dans les agrumes, il y a beaucoup de types, non? Tu veux tout faire? Tu veux faire pamplemousse, citronnier, mandarinier, clémentine, tu veux tout faire? C'est encore une famille que tu viens de citer là, Ibrahim. Vous voyez que l'exercice n'est pas facile, hein? Vous voulez vous lancer dans des trucs? Tu veux faire citron, orange, goyave, papaye. Ah oui, voilà. Tu veux faire les quatre. Bon, là. Donc, vous voyez que voilà un exercice. Vous voyez comment je suis en train de pousser Ibrahim jusque dans ses derniers retranchements. Parce que voilà quelqu'un qui veut se lancer, qui n'est pas encore conscient. C'est des choses qu'il faut maîtriser.
la classification par famille, qu'est-ce que je vais exactement faire? Tu vois que quand vous partez et que vous avez en face quelqu'un qui veut juste vous avaler, vous faire avaler ce qu'il veut que vous avalez, ben il vous fait avaler et après vous vous retrouvez là en disant, ah, mais j'ai fait le truc, mais ça n'a pas donné. Non. La personne vous a donné avaler la pilule qui voulait vous faire avaler. Mais est-ce que c'était votre est-ce que c'est ce que vous vouliez? Non. Vous avez laissé la personne faire choisir à votre place. C'est de ça que j'ai dit. Faites le choix. Et moi, je peux savoir, aujourd'hui, savoir qui est motivé, qui n'est pas motivé. Je peux savoir qui sait là où elle veut aller et qui ne sait pas là où il va aller. Par des questions comme ça, je pose, je sais là que la personne, tu vois, la personne ne sait pas encore où elle va aller. Imagine en face si je suis un peu mal intentionné, Ibrahim. Si je suis un peu mal intentionné, je peux te manipuler et obtenir ce que je veux à mes fins, mais pas à tes fins. Si je veux te manipuler, si je veux t'induire en erreur, je peux pas faire ça. Si je viens vers toi par rapport à la part de gain, tu vois, je sais que tu n'es pas précis, tu n'es pas concis, je peux t'influencer. Je peux t'influencer. C'est de ça que je parle ici, que je n'ai pas envie d'influencer vos choix. Je n'ai pas envie d'influencer vos choix. Tu vois que là, je sais que tu n'es pas encore précis dans tes choix. Mais moi, je peux venir comme ça influencer tes choix, te dire ce qui m'arrange. Parce que je viens par rapport à la part des gains. Donc, les gars, soyez clairs et droits dans vos bottes. C'est de ça que je parle ici, que le choix doit être un choix vraiment, mûrement réfléchi. Peu importe ce que vous voulez faire, un choix mûrement réfléchi. C'est un choix qui va vous suivre toute votre vie. Enfin, pour les personnes qui savent là où elles veulent aller. Parce qu'il y a dit, sachez qui vous êtes, sachez là où vous voulez aller et sachez la personne que vous voulez devenir. Donc, c'est ce travail qu'il faut d'abord faire. C'est un travail de mindset, les gars. C'est un travail de mindset. Ce n'est pas business pour faire business. Ce n'est pas que j'ai été conseillé par un tel. Non, c'est vous qui allez porter le projet. C'est votre projet, c'est votre bébé, c'est vous. Ne laissez personne décider à votre place. Super, Amado, thank you, super. Donc, ne laissez personne choisir à votre place. Ne laissez personne décider à votre place. Faites le choix parce que c'est votre bébé. C'est vous qui allez porter ça. Ça fait partie de vous. Hein. Je dis, entreprendre, c'est une façon de vivre. Hein. Donc, si vous laissez quelqu'un de choisir à votre place, vous aurez ça dans votre conscience. Et à chaque fois, on sait comment ça se passe. Ah, ben oui, ce n'est pas de ma faute. Ben oui, c'est de la faute d'un tel. Ah, c'est lui qui a fait le choix. Ah, à la base même, je ne voulais même pas faire cette spéculation. Ah, il a tellement insisté en me disant que c'est bien, que ça donne. Oui, voilà. Parce que le problème, c'est que oui, c'est bien, ça donne. Ce n'est pas le business qui est le problème. Mais généralement, c'est parce que derrière, la personne peut-être, est-ce qu'elle avait assez de compétences ou est-ce que vous-même, vous avez la compétence lorsque vous êtes lancé? Non. C'est là où vous échouez. Donc, choisissez vous-même parce que dans les moments difficiles, vous saurez pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spéculation. C'est très important. Dans les moments de coup dur, vous allez savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi. Et c'est votre pourquoi qui va vous maintenir. J'insiste à chaque fois, ayez un pourquoi. C'est votre pourquoi qui va vous maintenir. Et si vous n'avez pas de pourquoi en ce moment et que vous venez juste pour le fun, juste parce que vous avez entendu que ça gagne, knockout. Vous allez abandonner, les gars. Donc voilà. C'est un peu ça. Donc toujours, toujours, toujours avoir le pourquoi. Peu importe ce que vous allez faire, ayez un pourquoi. C'est votre pourquoi qui vous maintient. C'est votre pourquoi qui va vous maintenir. Peu importe ce que vous allez traverser, c'est votre pourquoi qui va vous maintenir. Et ayez un pourquoi costaud. Ayez un pourquoi énorme. Parce que je ne vais pas peut-être vous faire vieux, vous tromper. Il y aura des moments de difficulté. Il y aura des moments où vous allez mettre un genou par terre. Mais le but, ce n'est pas de... Salut Marinette, salut à toi Marinette, j'espère que tu vas bien. Il y aura des moments où le genou est par terre. Mais ne restez pas longtemps. Ne restez pas longtemps par terre. Relevez-vous. Et c'est votre pourquoi qui va vous relever. C'est ton pourquoi, parce que ton pourquoi, ça costaud que non. Le genou par terre que tu as mis, tu vas te relever parce que il faut que tu assumes ton pourquoi, il faut que tu atteignes ton objectif.
C'est très important ça. Et ça, c'est là-dedans. C'est le mindset. C'est le mindset. C'est très, très, très important. Travailler ça. Et moi, sur ce côté, oui, je peux. Je veux dire, je peux vous suivre. Je sais que 97% des personnes sont dans cet état-là. 97% des personnes sont dans cet état où c'est le mindset qui déconne. Donc, si je veux sortir en vous le génie qui sommeille, si je veux sortir en vous le potentiel qui sommeille, c'est sur votre mindset que je vais travailler, les gars. Il dit que l'action, la faisabilité, le comment faire, c'est 20%. Et c'est 80% de mindset. Mais ça va demander qu'il y ait des personnes aussi comme ça, matures sur le plan émotionnel, qu'il y ait des personnes aussi matures qui acceptent de comprendre ça. Qu'il y ait des personnes qui... Ce n'est pas facile, hein, parce que ce qu'on dit va te ramener à ta propre réalité. Ce que je te dis, ça va te ramener à ta propre réalité. Il va falloir que tu sois costaud sur le plan mental de dire, oui, je sais qui je suis, je sais où est-ce que je vais aller, je sais la personne que je vais devenir. Avec humilité, j'écoute. Parce que ce que Thierry me dit, ce n'est que pour mon bien. En aucun cas, c'est pour me rabaisser. En aucun cas, c'est... On ne se connaît pas. Il est là pour partager la connaissance. Il est là pour me lever. Il est là pour m'amener, pour sortir le meilleur de moi-même. Et ça, c'est la maturité. Ça, c'est la maturité. Parce que certaines personnes vont comprendre, vont dire, ah, mais Thierry, à chaque fois il parle, me ramène à ma propre réalité. Oh non, Thierry, vraiment, c'est quand il parle, oui, c'est à la limite même, hein, il me blesse. Parce qu'il me ramène à ma propre réalité. La vie, c'est ça. Et voit que beaucoup qui ne passent pas l'action, beaucoup qui ne veulent pas, c'est parce qu'elles veulent fuir leur réalité. Beaucoup veulent fuir la réalité, mais la réalité, elle te suit. Donc, pour faire ça, c'est ce que vous appelez la peur, ou le machin, la crainte, ou la honte, ou le machin, le candidaton. Tu te dois d'affronter ça. Et on a dit au dernier, pour faire ça, il faudrait que tu sois entouré de personnes, que tu aies des amis comme Thierry. Je dis que c'est primordial, changer de mindset. Pour faire ça, tu te dois de t'entourer des amis comme Thierry qui sont là à te booster, à te challenger, à partager à chaque fois avec toi la connaissance. Quand tu as une belle information, pas l'information de dire allons boire les bières, pas l'information de dire allons coller les petites, pas l'information de dire allons faire des achats compulsifs, pas l'information de te dire qu'il y a un match de football qui est là, allons regarder le match. Pas les informations pour te dire, ah, tu as payé le billet d'avant pour le voyage. Pas les informations pour te dire, va les mèches, allons acheter les mèches. Pas les informations pour te dire, acheter les chaussures. Non. L'information pour te dire, voilà un livre que j'ai lu aujourd'hui. Voici un livre très inspirant qui parle du business, qui parle du mindset, qui parle du développement personnel. Tiens, lis-le. Ibrahim, ton cas, hein? Ton cas, il faudrait que je te prenne en apartheid. Je vais créer un réseau où je vais mettre une ligne où tu vas appeler. Je vais te prendre en consultation, Ibrahim. Ton cas, tu vois, tu es dispersé. Je t'ai dit que ne t'en fais pas. Tu n'es pas encore clair dans ta tête. Tu as cité quatre trucs. Hein. Je sais que c'est quatre trucs. Tu n'es pas encore clair dans ta tête. Tu ne peux pas faire les quatre en même temps. Oui, c'est ça. Parce que tu as donné les quatre, tu n'es pas encore clair. C'est pour ça que je suis assez tranquille. Tu n'es pas encore clair. Il faut que tu choisisses une spéculation claire. Une fois que tu as maîtrisé cette spéculation, tu pourras faire les autres. Tu as dit citron, papaye. Si tu choisis le citron, je suis en train de te prendre en consultation, et bien tu vas payer ça. Je vais mettre une ligne où les consultations... Voilà pourquoi je dis maintenant, en ce moment, je pourrais te conseiller et te faire payer la consultation. Parce que pour moi, tu n'es pas encore clair. Tu es encore dans le flou. Oui, tu envoies le mail, je vais mettre une ligne. En ce moment, voilà comment moi je peux conseiller. Parce que là, Ibrahim n'est pas encore clair. Tu es encore dans le flou. Parce que avant de choisir quatre, il faut déjà maîtriser une spéculation déjà d'abord. Quand tu maîtrises une spéculation, tu peux après faire quatre, tu peux faire 10, tu peux faire 20. Mais tu dois maîtriser d'abord la première.
Tu vois que si tu vas sur quatre, tu vas te casser la gueule. Donc voilà, j'avais dit que je n'avais pas fait long, cher visionnaire. On dit merci encore. Je vais créer une ligne parce que vous l'avez demandé aussi. En ce moment, je ferai payer la consultation. Parce que moi, je vous ouvre les possibilités comme ça. Je laisse les choix de business. Je vous dis comment faire. Maintenant, à vous de choisir. Une fois la personne est fixée, calée, elle sait déjà ce qu'elle veut. Quand tu viens maintenant me demander, Thierry, dans tes spéculations, comment faire? Oui, je pourrais t'expliquer en ce moment. Oui, je pourrais monnayer parce que tu as choisi, tu viens vers moi avec un objectif, un but bien précis. Je ne t'influence pas. Vous voyez que si j'avais mis une formation, je serais la mordicus à vous amener tous vers la formation que j'ai positionnée. Je deviens un marketeur, je deviens un commerçant. Je ne serai pas objectif, je sais toujours, et c'est ce que beaucoup de vos formateurs font. Beaucoup sont là tout simplement à vous amener vers les formations qu'ils ont déjà préparées. Et ce n'est pas objectif. Après, c'est ce que j'appelle conflit d'intérêt. Non, il n'y aura pas de direct ce soir. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus tôt, Ibrahim. C'est pour ça que je l'ai fait. Il n'y aura pas de direct ce soir. Je vais programmer sûrement soit peut-être demain, il faudrait être à l'écoute. Il faudrait être à l'écoute demain, Ibrahim. Il n'y aura pas de direct ce soir, malheureusement. C'est pour ça que j'ai un peu fait, tu vois, je l'ai fait là à 7 h, d'habitude, c'est pas à 7 h. Donc, sûrement demain, je ferai un direct. Donc, soyez tu à l'écoute, comme je l'ai dit, je fais comme ça aussi, hein. Quand j'ai un créneau horaire, je le fais. Hein, tu vois? Lorsqu'il y a un créneau horaire, je fais. Donc voilà, chers visionnaires, voilà ce que je voulais partager. Voilà, les besoins des questions d'agriculture. J'ai dit que beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses sont dans les trucs passifs. Hein. Tout ce que je viens de citer, la Christine, les mèches, les bières, les collages de petites, c'est les trucs passifs. Hein. Ça ne te rapporte rien, ça ne rapporte pas d'argent. Il faut être dans les dépenses, voilà, qui crée des actifs. C'est ce qu'on a dit ici, élevage de la caille, tu fais tes différents produits dérivés, ça te rapporte les sous. Mais quand tu vas boire les bières collées, les petites, les mèches, les chaussures, les ceci, c'est des dépenses passives, machin, passives, hein. Ça ne te rapporte pas de sous. Ok, sur ce, cher visionnaire, à Joël, ok, salut Joël, Julien, t'es ravi ici. Super, super Joël, super. Donc voilà, chers visionnaires, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je dis merci, merci à tous, hein, merci à vous, merci à ceux qui étaient sur le panel là, merci à vos différentes contributions, merci aussi à ceux et celles qui ont suivi le direct hors chat. Donc voilà, je vous souhaite très bel après-midi et très bonne fin de soirée aussi. On se dit au prochain direct. Donc voilà, c'est on se dit au prochain, on se dit au prochain direct. Tu vois, c'est donc voilà. Ok, cher ami. Donc quand on donne des informations comme ça, allez aussi de votre côté, comme j'ai dit, la formation, intéressez-vous, faites le choix. Et je dis le but aussi, c'est de se lancer, vraiment de se lancer, de passer à l'action, de passer vraiment à l'action. OK. Sur ce, chers visionnaires, je vous dis merci, merci beaucoup et puis au prochain live. Ciao, ciao.